aujourd'hui, je vous propose un unboxing Marvel collection série limitée. C'est un petit unboxing comme ça, on va rester tranquille entre nous. Je vais pas faire de folie non plus, hein. Je vais pas mettre des génériques de ouf juste pour des figurines. Soyons honnêtes entre nous. Donc voilà, voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire à part que j'ouvre un carton avec des figurines dedans et je vais vous les montrer et ça se passe tout de suite. Allez, donc voilà le carton. Hop, la facture. C'est pas pour nous. Bah, je n'arrive pas à l'enlever, je vais pas l'arracher non plus. Le petit couteau des femmes Mickey va bien. Allez, on ouvre tout ça. Ah si, il vous plaît ce petit couteau, mettez-le dans la description. Je vous mettrai le lien où je l'ai trouvé. Il est pas mal, hein? Vous pouvez le mettre sur vos clés comme ça. Hop. Petit bonus. T'as compris? T'as compris? Ah, t'as compris. Ouais, t'as compris. Allez hop, on ouvre tout de suite ce carton. C'est un carton de folie. Voilà. Bah, j'ai fait mettre de la pub pour des hors-séries encore en plus, mais c'est cher les hors-séries quand même en plus, hein. Pour le prix qu'on paye les figurines, ils pourraient les offrir, mais je vous le dis. On a deux beaux personnages dans ce carton. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, voilà le contenu du carton. Allez, soyons fous, faisons des. Des pieds. T'as bougé les pieds du caméra. Voilà, là vous voyez mieux. Ah, là c'est mieux. Allez, on va ouvrir ça tout de suite. Excusez-moi, le carton il est mal poli, il bouge les pieds de caméra comme ça. Hop, hop, il dit non, tu feras pas de vidéo. Vous voyez que je dis mal poli le carton. Restez avec moi, reste assis, arrête de bouger. T'as compris, hein? H2O, je sais que tu regardes cette vidéo. T'as compris? Reste assis, bouge pas, regarde jusqu'au bout. Voilà, allez. Si je papote de trop, la vidéo va durer trop longtemps, vous allez me zapper. Ça va pas le faire, j'ouvre tout de suite. Avec classe, t'as une subtilité, waouh! Alors, elle, c'est une fille. Vous voulez la voir, hein? Tout de suite, dès que je dis une fille, vous voulez la voir. Non, c'est Window. Voilà. Heureusement, il y a les prénoms parce qu'il y en a tellement des personnages Marvel. Voilà, Window. Ah, elle est belle, hein. C'est bien foutu quand même ces figurines. Allez, hop. Normalement, je ne le fais pas, hein. Mais c'est exprès pour vous. Pour vous dire à quel point c'est pas du foutage de tronche. Il y a le certificat avec. Hein. Il y a la boîte. Moi je remets ça. Elle, je la laisse dedans pour pas la casser, pour pas qu'elle prenne la poussière. Parce qu'une boîte, c'est plus facile à laver que tous ses contours. Et elle ira dans la vitrine. Parlons de ça bientôt. Je passe pas là. Peut-être pour la rentrée, je prépare un petit setup. Il y aura un beau décor derrière moi. Ça va être du tonnerre. Voilà, on passe à la lecture. Et voilà la belle image du milieu comme d'hab. C'est beau, je suis d'accord avec vous. Bah, je vais pas vous raconter la vie de ce prospectus, hein, comme d'hab. Il y a la première page avec les petits détails qu'ils ont fait sur le personnage dans le film, dans quel film elle a tourné. Voilà, après voilà, dans les BD, vers quelle année elle a paru, sur quel type de numéro elle y est. Ça, c'est par rapport à l'actrice qui interprète le super-héros. L'image du milieu. Ouais, bref, voilà, après, bah, c'est tous les petits trucs comme ça, les petits secrets montage. Si jamais ça vous intéresse un jour, en plus de la série unboxing, une fois que j'aurai fini ma collection, si jamais ça vous dit, je pourrais faire une série spéciale les super-héros et je vous donne des détails par rapport à ce que j'ai dedans. Je vous dis par exemple numéro 1 super-héros, on va dire Iron Man. Je vous dis voilà, c'est lui, il a tourné dans ça, il a apparu dans la BD là, en année là. Voilà, donc si ça vous intéresse tout ça, mettez-le dans les commentaires. Je vais lire avec œil de faucon. Ceux qui regardent les Marvel, là, ils voient tout de suite de qui je parle. Donc voilà, je guetterai tout ça et je vous ferai ça avec grand plaisir parce que Marvel,
On peut y rester des heures sur une vidéo. Hein. Mais bon, je vais pas vous retenir pour longtemps. Je vais direct le 2, je vous montre le prospectus, la figurine. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Hein. On aura déjà vu pas mal de choses aujourd'hui. Alors attendez, bougez pas. Bouge pas. Ne bougez pas. Lui. Ça il nous embêtera plus. Je l'ai vu, là, il va toujours mettre un coup de. Donc lui. Lui. Les amis. Moi j'ai regardé le prénom parce qu'il m'a pas tilté tout de suite aux yeux. C'est Banner. Banner. Voilà, Banner. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je te mets un petit extrait de qu'est-ce qu'il est capable de faire quand il s'énerve. On se retrouve juste après cet petit extrait. Voilà, maintenant on se retrouve. Tu vois de qui je veux parler? Lui, il faut pas l'énerver. Hein. Tu vas un cocktail avec lui. Si tu énerves ton verre, tu le trouves pénible. C'est un cure-dent pour lui. Il casse le pied, il se cure les dents avec. T'as compris? Ah, t'es un fou, t'es un fou. Non, allez. Ouais, prenons du sérieux tout de même. Arrête d'être pressé. Je vais ouvrir le prospectus. Je vais te montrer la page du milieu. Voilà, Banner. En mode normal, faut pas l'énerver ce phénomène. Hein. Ouais, je sais, tu vas voir la première page. Voilà la première page. Avec les petits détails figurines, bien sûr. Et, bah, maintenant, là, t'as une preuve de que je sais de quoi je parle. Hein, d'accord. Faut pas l'énerver ce type-là. Voilà. Bon, bah, pour tout ce qui est prospectus, voilà, le film. Bah, il a pas tourné que dans ce film, il en a fait plein d'autres avant, lui, hein. Donc, voilà, si ça vous a plu, mettez des likes, ça fera plaisir. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu viens de t'abonner, là, un instant, quand je l'ai dit, bienvenue dans la famille. Allez, on se retrouve pour un prochain épisode Unboxing Marvel, ou une série... spécial Lego Marvel, parce que c'est très bientôt mon anniversaire et j'ai commandé du lourd pour mon anniversaire. Ouais, il n'y a pas d'âge pour faire les anniversaires, quoi. C'est bon, c'est une fois par an. Faut bien demander ce qu'on veut. Hein. Donc, je vais avoir des petits trucs. On va bien s'éclater tous ensemble. Et en plus, mon anniversaire, c'est 2 jours avant la rentrée. Ceux qui me regardent et qui me reprennent l'école. Vous avez déjà le seum là, je vous ai déjà niqué vos vacances, je suis désolé. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, gros bisous des familles, ciao!